Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Planet Coaster Creature Park, appelez-le comme vous le souhaitez, j'ai le sourire, je pense que ça s'entend, je suis tellement content, je suis juste content. Qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me dire, pour que je sois aussi content? Ah bah j'ai trouvé comment mettre la caméra en vue de dessus, ça c'est plutôt cool. Il y a de quoi être vraiment content avec ça. Non, je suis juste content parce que vous avez kiffé. Vous avez juste kiffé le premier épisode, j'ai vu le nombre de likes. Je me suis dit, putain les gars, vous avez compris. Vous avez compris qu'on est là pour kiffer, vous avez compris qu'on est là pour aimer la vie. Non mais réellement, voilà, et puis je suis juste content aujourd'hui, putain, merde, j'espère que vous aussi vous êtes contents, et ça fait extrêmement plaisir, bref, on se retrouve pour notre épisode 2, on avait fait quelques petites attractions sympatoches, hein, bien évidemment, mais vous inquiétez pas, j'ai grossi un petit peu l'interface, au passage, voilà, un petit interlude, appelez-le comme vous le souhaitez, et on va travailler un petit peu donc l'entrée du parc, le rendre un peu plus joyeux, un peu plus sympa, parce que c'est vrai que le mec qui rentre, miskin, il y a les chiottes, il y a le distributeur, et il n'y a pas grand chose d'autre. Alors, déjà je voulais faire quelque chose, je ne voulais pas le détruire, je voulais le déplacer, à savoir, est-ce qu'il était possible, parce que, souvenez-vous, j'avais des bâtiments inaccessibles, et je me demandais si c'était pas ces deux-là, parce qu'il n'y avait pas de route qui s'était créée comme le centre d'information, mais bon, écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, on verra bien de toute façon où les gens s'arrêtent, est-ce que des gens vont faire des petits caca, des petits popos, voilà, on va se faire bien évidemment plaisir. Bref, on est parti les potes, avant de recueillir l'avis de quelques touristes, nous allons mettre deux ou trois attractions en plus, histoire de rendre la chose... un peu plus intéressant, de rendre le parc un peu plus cool. Donc voilà ce qu'on va faire les amis, on va, comme je vous disais, élaborer un peu plus l'entrée du parc, proposer quelques attractions supplémentaires. J'aimerais vraiment faire un parc de ouf, le mettre sur le workshop ou vous le proposer en téléchargement pour que vous puissiez vous balader, faire les attractions. Et bien évidemment, on va créer nos propres montagnes russes qu'on va bien évidemment un petit peu augmenter, si vous voyez ce que je veux dire. Clin d'œil, histoire que miskin, il y ait quelques morts. Mais ça reste bien évidemment entre nous. Alors je sais pas trop ce qu'on va mettre. Voilà l'attraction, un génie. Ça s'appelle génie, hein. Donc on va mettre un petit génie quelque part. Et où on pourrait le mettre? Tiens donc, elle prend pas mal de place en soi l'attraction, hein. Et elle est vraiment très calme, hein. Je la connais bien, elle est super calme. Elle ronfle pas la nuit, donc vous savez quoi, on va le poser peut-être ici, non? Hop, c'est bon, on a terminé, ça va aller aussi, on va pas faire des allées de 4 km de long. Et puis que vous kiffiez autant, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est la sortie. Alors, pour l'instant, ça paraît très grossier, hein, mais il va y avoir des boutiques entre... Ça va pas être des espaces vides, vraiment. Vous allez voir, je vais essayer de travailler le truc à fond pour que ça soit très très propre. Et j'ai une petite vidéo surprise aussi que je vous prépare. Et j'ai vraiment hâte de vous la sortir. On est pas mal, là. Là, on est sur quelque chose de pas mal. On va ouvrir l'attraction. Tout ce que vous voyez là, les trous, tout va être rempli. Ça va être un petit plaisir pour les gens de surfer on the wave, comme on le dit, au bord de la plage, bien évidemment, et d'apprécier les petites balades. Donc voilà ce qu'on va faire. On va aller dans les allées. On va aller dans les allées, pourquoi? Parce que j'aimerais créer, tout simplement, une avenue. Regardez toute la place qu'on a. Oh là là, j'ai hâte, je vais faire, réellement, je vais tenter la plus grosse montagne russe EU. Ça va être magnifique. Voilà, on fait une très grosse allée. Alors, sur la grosse allée, bien évidemment, il va y avoir... Je vais essayer de faire des débouchés, comme on l'appelle dans le milieu, débouchés, justement. Ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va commencer aussi à décorer, bien évidemment. C'est très important de décorer. J'ai pas terminé là-haut, hein. Là-haut, ça va rejoindre l'allée. On va commencer à décorer calmement. Et on va mettre aile de vaisseau. Ça, c'est pas mal pour des thèmes assez sympatoches. C'est pas mal. Regardez. Une petite aile de vaisseau. On va essayer comme ça. Alors rigolez pas, hein. Rigolez pas. Pour l'instant on fait une déco, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, de toute façon beaucoup de routes vont se rejoindre. Ça va être un petit peu bordélique de haut, vu de haut. Mais vous inquiétez pas que ça va être plutôt propre après. Donc là on a tout ce qui est décor évidemment, éclairage. Il faut de l'éclairage les amis. Il faut beaucoup d'éclairage et je pense qu'on va partir sur un lampadaire. Des lampadaires de type classique, hein. Ça me paraît super logique. On va en mettre quelques-uns, hein, évidemment.
On est pas mal là. Hein. Là, on est pas mal, les gars. On a quelque chose, hein. Ça se retrouve. Ça se retrouve et ça se rejoint. Oh putain, les lampadaires qui prennent vie. Oh, c'est beau. Oh, moi, ça me fait. Fire Bandem. Ah, il y a un lampadaire qui ne marche pas. Il veut. Ah, très bien. Il veut fonctionner maintenant. C'est plutôt cool. Bon, on a nos lampadaires. Là, ça va être tout ce qui est un petit peu grignotage. On va faire des petits thèmes, des petits trucs assez sympas. Vous allez voir, ça va être cool. Et puis ici, ça manque aussi de lampadaire. Ça manque aussi de lampadaire. Donc, bougez pas. On va en mettre un tout de suite. Hop. Et on va le mettre directement en face. Yes! Ok, bon, on va s'occuper de ce coin, les potes. On va faire ce que j'ai toujours voulu faire en soi, c'est-à-dire un plus grand parc, un parc généreux, un parc rempli d'amour. Et si possible, un parc où les gens peuvent se régaler et qui rejoint petit à petit notre grande allée, justement, juste à côté, notre grande avenue. Donc, on va faire comment? On va faire comme ceci. Déjà, pour commencer... C'est dégueulasse, c'est un plaisir les amis. J'espère que vous trouvez ça bien dégueu vous aussi. Mais bon, en soi on va trouver un moyen de régler le problème bien plus tard. On va arrondir les angles un peu plus tard, si vous voyez ce que je veux dire. Oh ouais. Yes. Bon, on a notre parc. Oui, je suis content. Je suis content, j'ai réussi à faire un parc et ça, c'est plutôt cool. Et puis, on va rajouter quelques petites boutiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, en soi, c'est encore dégueulasse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il y a des boutiques, zone commerciale futuriste. Ah ouais. Je vais mettre pas mal d'arbres et tout. On va essayer de faire les trucs assez proprement, d'accord? Je vais vraiment décorer. Hop, voilà, on est pas mal là. On a de la bouffe, encore un système de boissons, ça pourrait être sympa. Stand de boissons pirate, bon, stand de boissons, il n'y a pas grand chose malheureusement. Peut-être une buvette de village. Je sais pas ce que vous en pensez, non. La buvette de village est terrible. Petite boutique de village. Quoique, en soi les gars, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça, ouais. Il va y avoir des boutiques de souvenirs. Un petit peu plus proche. Hein. Là, les boutiques de souvenirs seront plus vers le manège. Vous voyez ce que je veux dire? À l'entrée, un peu plus à l'entrée du parc et près des manèges plutôt calmes. Là, en soi, c'est vraiment tout ce qui est parc, hein, coin bouffe, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris, j'ai une maîtrise totale de ce qu'il faut faire. Panneaux publicitaires, on a des trucs intéressants. Ah ouais! Qu'est-ce qui se passe? Ok, on est pas mal, on est pas mal. Regardez jusqu'où on peut zoomer. Comme quoi, c'est quand même fascinant. Comme quoi, c'est genre vraiment ouf. Lui, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Se dirige vers Chief Beef. Je vais faire un tour sur 360 Power One. Oh, ils ont faim. Oh, ils ont faim. Et on va répondre à leur faim, les gars. On va les nourrir. On va les régaler. Lampadaire. Lampadaire, on aimerait quelque chose d'un peu plus... Comment pleut? On peut appeler ça un peu plus exotique. Des lampadaires qui font un petit peu plus à l'ancienne, quoi, comme on peut dire dans le milieu. Parce que bon, c'est vrai que j'ai bossé pas mal dans le milieu des parcs d'attractions. C'est des lampadaires comme ça qu'il nous faut, quoi. Hop, on en met un à chaque virage. Toujours très important, les gars. Parce qu'il faut décorer hein, tout ce qui est végétation la nuit. Il faut que les gens soient surpris, étonnés, en plein kiff, en plein bonheur, en plein rêve. Ok, lampadaire, c'est fait. Ça, tu vois, ça, mon petit pote, ça m'inspire. Ouais, bébé. En plus, il y a plusieurs couleurs. Plutôt cool, en soi. Ok, pas mal. Pas mal. Quelques végétas, comme on les appelle dans le milieu. On est là pour faire rêver les gens. On est là pour faire rêver les gens. Bon, pas trop en faire. Jamais trop en faire, les gars. Un petit cœur, parce que ça, c'est moi qui régale. C'est le petit cœur de l'amour, comme on l'appelle. Et puis là, on va faire déjà un autre univers. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, on est bon. Bilan fin de mois. Bénéfice mensuel, -637. C'est pas dégueulasse, quand même. Hein. C'est pas dégueulasse. On commence à aller petit à petit, les gars, dans le positif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à se faire. C'est là où, par contre, on va avoir quelques petits soucis. Et les soucis, je parle de gestion de parc. Pourquoi? On a trois attractions, on a des boutiques, et maintenant, il va falloir des gens pour s'occuper de tout ça, des employés.
et non pas des vaches, hein, bien évidemment. Donc technicien de surface, hein, tout ce qui est nettoyage, vous l'aurez compris, et mécanicien. Alors il nous faut un mécano, ça c'est une évidence. Donc lui, on va le foutre ici. Voilà, son but c'est mécaniter, bien évidemment. Niveau, il est stagiaire, mais il va acquérir des compétences particulières au cours de ces prochaines années. Et on peut l'envoyer en formation. Le parc est jonché de détritus, assurez-vous d'avoir placé suffisamment de toilettes. Et oui, ah oui, il nous faut des toilettes un petit peu partout. Pour cela, le temps qu'on installe les toilettes, on va mettre entretien de surface, toujours avoir un employé. Et puis c'est là qu'on va faire, on va faire payer les toilettes. Hein. On va faire payer les toilettes. Oh, toilette de clown, ça peut être sympa ça. Attendez. Hop. Ah oui, par contre, paye la tristesse des chiottes de clown, cousin. Ouah, c'est laid, hein. Ah, c'est moche, hein. Ah, ça, ça gâche un parc, hein, c'est sûr. Hein. Ah, c'est terrible. Là, ça gâche un parc. En soi, c'est vraiment laid, hein. Ok, c'est pas grave. Eh, c'est des toilettes pour gosses, gros. Les gosses, ils vont être là, tiens, bouffés, aller dans les chiottes. De nombreux visiteurs ont besoin d'aller aux toilettes. Bah alors, qu'est-ce qui vous plaît pas? C'est ça? C'est mes toilettes qui sont trop chères, peut-être? Nombre total d'objets, 84, d'accord. Trop cher, mes chiottes? J'ai très peur d'un petit truc. C'est que je crois... Ah si, les gens pouvaient. J'ai pas saisi. Suis-je fou, les amis? Vous voyez, ça veut pas s'accrocher. C'est pour ça que j'avais un doute à un moment. J'avais quelques doutes. Ça ne veut... Ah si, putain, salopard. D'accord, là, ça veut... Ok, ça s'accroche par l'intérieur, c'est ça? Là, c'est mieux, là? Là, ça doit être mieux, hein. Ok, on va pouvoir faire payer les chiottes, je pense. $1, comme je disais. Ouais, c'est des chiottes de luxe, hein, les gars. Hein, je connais bien. Comme je dis, vaut mieux payer ta merde. Oui, c'était ça. D'accord, en fait, c'est un bug. Les gens passent à travers le décor. Ok. En soi, c'est juste un bug. Ils n'aiment pas ouvrir les portes, je ne sais pas. Peut-être que ça ne leur plaît pas. À voir. Personne ne l'utilise non plus. Donc, ça aussi, c'est bugué. Ok. Ah! Ah! Je suis idiot! C'était à l'envers, les amis! Le distributeur était à l'envers! Servez-vous, prenez tout ce pognon! Mais alors, attendez! Attendez, j'ai peur d'un truc! Ça aussi, c'est à l'envers, les amis! Oh, mais c'est terrible! C'est le plus gros fail de ma vie, les gars! Sur un jeu de gestion, c'est incroyable! Les chiottes étaient à l'envers, sa mère! Oh, putain, merde! Oh, c'est terrible, hein! C'est terrible! Ok, là, ils sont à l'endroit. Et là, on va faire des chiottes sympas. Ouais, bébé, ouais. On se met dans la tête des gens? Allez, on est parti. Hop. D'accord. Là, on est installé. Là, on est installé, de toute évidence. On va nulle part. Je ne sais pas pourquoi. Je peux pas tourner ma tête. C'est fort dommage. Ah si, je peux! Wesh! Ça va? Oh, je suis avec Géraldine. Géraldine, elle est agréable. Elle est super sympa. On peut voir ce que tu penses, d'ailleurs. Allez, on est parti ou pas? Ah, j'aurais voulu être à côté d'un gamin. Ah, dans quelques jours, il va y avoir des morts. Hein. Dans quelques épisodes, on va pas attendre trop longtemps, les gars. J'aimerais bien qu'on y aille. Voilà, allez, c'est parti. Ah, c'est pas totalement dingue. Hein. C'est vrai qu'en VR, on subit plus de trucs. Ok. Oh, ouais, bébé. Oh, ça tourne. Bah, ouais, c'est propre, ça. Regardez, ça s'enjaille. Mais c'est sympa, ce petit truc. Au final, je pensais que c'était long. Mais pas du tout. C'est sympa, ce petit truc. Alors les gars, voici comment on va structurer les épisodes. Chaque épisode, il y aura une nouvelle attraction, ou deux, hein, selon nos cœurs et nos désirs, bien évidemment. Il y aura une partie décoration, où on décorera un peu plus le parc. Il y aura une partie, comment on peut appeler ça, consommable, hein, où on donnera à manger aux gens pour qu'ils puissent se régaler. Et il y aura une partie, bien évidemment, décor. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va structurer. C'est comme ça que je vois la chose. Ça peut paraître assez sympa. Enfin, ça va être assez sympa. On va faire une attraction sur rail qui prendra tout le long. Ça va être cool aussi. On va incruster 2-3 montagnes russes. Mais je préfère pas les mettre maintenant. Hein. Ça, c'est des choses que j'ai téléchargées via le workshop. Mes plans. Parce que, regardez, il y a ça. Voilà, je voulais mettre ça. C'est quelqu'un qui l'a fait. Je trouve ça super beau. Yes, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Une belle déco. Oh, putain, elle est magnifique. Hein. Le mec qui l'a fait, chapeau bas.
chapeau bas, melon et bottes de cuir. Hein. Ok, on est bon. Et il y a aussi cette cascade. Mais alors, cette cascade, je la trouve juste ouf. Je la voyais même pas aussi grande, d'ailleurs, pour être honnête avec vous. Là, on va la mettre où? Eh, on peut la mettre ici, non? Yes, belle déco. Donc, c'était pour voir si tout fonctionnait bien. Et tout fonctionne bien. Voilà pourquoi je téléchargerai de nouvelles choses via le workshop. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais faire. Des grandes allées qui se rejoignent, qui s'entrecroisent et qui font des petits chassés-croisés assez sympas. On va faire ça. Ok, c'est pas mal. On va essayer d'aller à l'extérieur en creusant un petit peu la chose. On va voir ce que ça donne, hein. Au pire, les gars, c'est... Comment on appelle ça? C'est terraformé, hein. Donc on pourra retravailler le sujet, là, n'est pas le souci, hein. Vous l'aurez compris. Là, mon but, c'est vraiment créer une rivière, si possible. Rivière naturelle. Et là, vous allez dire, Mr. B-Boy, tu es un génie. C'est tout simplement de créer un putain de lac. Pas trop grand, mais où va y avoir des bancs et où... les gens pourront se poser et apprécier tout simplement la compagnie de l'eau. Voilà. Alors attendez, on peut pas mettre... Ah bah voilà, le niveau d'eau, s'il vous plaît, un petit peu de respect. Respectez-moi, n'est-ce pas? Ok. Voilà, là on est bon. Là on est bon, là il y en a pas trop, il y en a pas assez. Ok, c'est cool, on a notre petite rivière naturelle. Enfin, pseudo-naturelle avec notre petit lac. Vous inquiétez pas, bien évidemment on va le décorer. Et vu qu'il fait nuit, on va profiter quand même de la vue. Parce que c'est toujours plus sympa. Et on va voir un petit peu ce que les gens pensent justement du parc. Donc, des gens ont soif. Heureusement qu'ils ont des toilettes, c'est plutôt cool. Ok, tiens, il a été à quelle toilette? Ah, il a été à celle-ci. Elle était loin quand même, il veut pas payer le dollar, hein, ce petit salaud. Alors que celles-ci, elles sont rentables ou pas déjà, là? Elles commencent à être rentables. Bénéfice du mois précédent, zéro. Ok. Ça me rapporte du zéro. Ah, mais parce qu'elles sont gratuites. Hop, eh, vous avez rien vu, les gars? Eh, vous dites rien à personne. J'adore. J'adore toutes les possibilités qu'on a. Vraiment, c'est fou. Je trouve ça juste dingos. C'est l'allée qui me gêne, hein. On la changera, les gars, vous inquiétez pas. Je vois que vous vous inquiétez, c'est normal. On va la changer. Qu'est-ce qu'on va faire? Des cactus? Non, c'est pas un thème. J'aimerais trouver de beaux arbres. Ok, voilà ce qu'on va faire, les gars. On va essayer, pareil, tous les deux, à peu près. Ouais, ça me paraît pas mal, tous les deux. Comme ça, on pourra y mettre des boutiques. Bon, il est temps de voir le résultat. Yes, pas mal alors. Alors, cette allée. Il y a des gens qui doutaient, c'est normal en soi. Hein. C'est normal de douter, mais vous inquiétez pas, on va gérer le truc. Là, je pense que vu que c'est une maxi-allée, pour un maxi-plaisir, on va tout simplement... Alors déjà, j'aimerais bien... Hop, bougez pas. Voilà. Yes. Ok. Hop, une fois sur deux, regardez, on va mettre les lampadaires que j'aime bien. Avec cette petite musique bien apaisante. Yes, c'est impeccable. Eh, vous savez quoi, pendant que j'y pense, on va le retirer tout de suite. On va le retirer tout de suite. On va mettre quelques petites boutiques. Comme toute avenue contient une belle boutique, les gars. Donc, vous inquiétez pas. On va mettre ce qu'il faut, où il faut. On va mettre les sièges aussi. J'aimerais bien des sièges, évidemment. Alors, pour les sièges, j'ai plus pensé à des sièges comme ceci. Donc, pour ça, on va travailler. Hop. Vous inquiétez pas. Je m'y connais, tout ce qui est symétrie, tout ça. J'arrive à taffer le sujet, ça rend vite... ça rend vite les choses assez cool. Bon, voilà ce qu'on va faire maintenant. On a des poubelles. En soi, les poubelles, toujours intéressant. D'ailleurs, on va pas en mettre beaucoup, hein. On va pas en mettre beaucoup. Regardez, on va faire comme ça. Une. Deux. Voilà. Trois. Et. Quatre.
ça fait symétrie à symétrie, toi-même tu sais, Moret. Très propre, on peut continuer. Ouais, faut pas blinder, hein, les gars. Je vais prendre un technicien qui va s'occuper que de cette allée. J'aimerais vraiment que ça soit l'avenue du parc. Vous voyez ce que je veux dire? Que les gens prennent plaisir à se balader, bien évidemment, à kiffer, hein, comme on dit. Et pour cela, bah, on va commencer à y mettre quelques petites boutiques. Alors, évidemment, évidemment, en soi, des boutiques de souvenirs. C'est très important, les boutiques de souvenirs. Là, on est sur quelque chose de concret, là. Oh, on est sur du beau concret, là. Là, on est cool aussi. Bon, on va le foutre où? Ici? Attendez, bougez pas. Hop. Voilà. Ça nous permet de voir beaucoup plus facilement. Voire même ici. Voilà, le but, c'est aussi gagner pas mal d'espace. Hein. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Et puis, ça colle pas trop. Donc, c'est plutôt propre. Là, on a quoi? Comme je vous disais, boutique souvenir. Donc, boutique cadeau. On va en mettre une autre de l'autre côté, bien évidemment. Et eux, ils vendent quoi? Des chapeaux, des couronnes. C'est énorme. Et donc, on va voir les gens, bien évidemment, porter des chapeaux, des couronnes. Enfin, si c'est à la roller coaster, évidemment. Donc, ça, c'est énormissime. Qu'est-ce qu'on a là? Stand de boissons, quand même, de l'autre côté, bien évidemment. Hein? On change pas. Hop, bougez pas. Ça, c'est pas mal. Bon, bougez pas. Maintenant, faut trouver le sens. Ah, c'est carrément... Oh, merde. Mais c'est plein de boutiques, en fait. C'est ça? Vous me confirmez? Ouais. Ok. Il y a tellement de boutiques. Oh, damn. D'accord, intéressant. On peut mettre ça, là. On peut mettre ça, là, les mecs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutiques. On va le mettre le plus proche possible. Ok, j'ai peut-être ma petite idée. J'ai peut-être ma petite idée qui peut rendre le truc super sympa. Voilà. Elle était là, mon autre idée. Elle était là, je la cachais aux yeux de tous. Yes, pas mal ça. Pas mal ça. Bon. Par contre, ça règle pas le problème qu'il nous faut des petites boutiques sympatoches là-haut. Et j'ai pensé à ceci, au restaurant à burger. Il me paraît sympa. Je vais en télécharger tellement, les gars. Oh là là, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais bon, n'en faisons pas trop. Ouais, c'est beau ça en plus, putain. Juste sous l'arbre. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est beau ça, non? Ça, c'est beau ça. Voilà, allez dans mon allée, les mecs. Je veux que vous kiffiez, putain. Ah ouais, ça commence à prendre un peu de gueule. Ça commence à prendre un peu de gueule. Les gens, vous inquiétez pas, qu'ils vont clairement pas être déçus. Donc tout ce qui est montagne russe, les trucs impressionnants, vous l'aurez compris, ça sera beaucoup plus loin dans le parc. Hein. Là, ça va être des petits trucs super tranquilles, super mle, comme on dit. Et on va se régaler. Information pillée. Distributeur, évidemment, il va falloir du distributeur. Distributeur de pirates. Ok, on va remettre un petit distrib. J'en perds mes mots, je suis pas bien. Ok, hop, pas mal ça. On va remettre un petit distributeur juste... Bah juste pas près d'un banc, hein, quand même pas. Ok, bah juste ici, non? Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Yes, allez, on pose ça là et on va pouvoir s'arrêter. On va pouvoir s'arrêter et là, les gars, là, je peux vous dire que ça commence à prendre un petit peu de gueule, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on commence à afficher aperçu du parc. Là, on commence à être bon. Alors, on n'est pas dans le vert, hein. C'est une évidence. Hein. En soi, on est pas bien. On n'est clairement pas bien. Mais petit à petit, on va monter le prix du parc. D'ailleurs, on va le faire de suite. Et on va le mettre à 8. 8, et là, on va le mettre à 6. Voilà, petit à petit, on va montrer le prix du parc. Et ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt cool. Normalement, les gens ne vont pas trouver ça trop cher. Besoin de visiteurs. En soi, les gens sont contents. Les tickets d'entrée coûtent les yeux de la tête. Et génial aussi. Celui qui coûte cher. T'en as pour ton argent quand même. Note sur l'environnement. Ah, c'est vrai qu'on va, je pense, pouvoir leur mettre des petites télés pour qu'ils s'occupent dans la file d'attente. Ça peut être cool ça aussi. On verra ça plus tard. Bref, en tout cas, on a quand même avancé. J'ai hâte de construire des décos incroyablement magnifiques. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. On mettra, vous inquiétez pas, des arbres, des trucs assez sympas. Et en tout cas, notre allée commence à prendre un peu de gueule. Ça va être cool. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Reposez-vous les amis, kiffez votre vie, c'est bientôt Noël et ça fait plaisir. Tchou tchou.